Roglic farà il tour, cambia squadra e farà il tour, Remco chiaramente farà il tour, butterà tutto sul tour, Vingegaard tornerà per vincere il suo terzo Tour de France, Tadej Pogacar sta pensando di correre anche il Giro, Giro Tour, secondo te fa bene, cosa ne pensi? Potrebbe farcela? Mi sembra che Remco ha pensato questo, però dipende un po' dalla vostra missione di gioco olimpico, no? Che arriva subito dopo il tour, si fa e crono e strada agli Olimpiadi. Saranno a veramente calcolare bene gli sforzi. Ma Renko può fare quindi sia il Giro che il Tour quest'anno, il prossimo anno? Vediamo, andiamo a decidere questo, penso, fine l'anno. Ti ringrazio, Patrick. Prego. Excellent accent italien en français. Ça donne quoi, Patrick? Inspirant ce parcours? Vous voulez un accent italien ou anglais? En français. Dis-nous, il t'inspire ce parcours? Il m'inspire, oui, parce que je pense que ça va être un Tour de France plein de surprises, parce que c'est très très dur. C'est un des Tours de France plus durs que j'ai vu les dernières années. Il est plus dur que l'an dernier? Je pense, oui. Plus dur que 2023? Je pense. Et ce fameux chrono à Nice, on pense tous à Remco? Moi aussi. Ça va être un Tour de France qui va batailler dur avec maintenant Roglic qui a changé d'équipe. C'est bien pour le spectacle, c'est bien pour les tifosi, non? Le tour peut jouer où? À la vie, le tour peut se jouer déjà à Firenze. Ça dépend un petit peu le comportement des coureurs et il y a plein de étapes où vous pouvez décider le tour, pas seulement sur la montagne, mais aussi sur la plaine où il y a des bordures. L'étape la plus difficile selon vous de ce Tour de France 2024, ça serait laquelle? Je pense que celle de Col de la Valette, non? Remco Evenepoel, favori au même titre que Tadej, Jonas, Primoz. Continuez, il y en a encore. pas de commentaires sur ça. Merci Patrick.